Et bonjour à tous les amis, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous nous trouvons sur Super Meat Boy, jeu qui m'a été offert par un abonné, donc j'ai décidé de vous le faire, hein. D'ailleurs j'y ai pas beaucoup joué du tout, et je vous laisse avec cette cinématique les amis. Tellement épique. Forever Alone. Allez, on y va sur la forêt, hein, du coup. Et vous aurez le droit, du coup, à une nouvelle cinématique. Eh ben non, vous n'aurez même pas le droit à une cinématique. Eh ben écoutez, tant pis. On va du coup commencer un petit peu les niveaux, comme vous voyez, j'ai juste fait ça, j'ai juste fait la forêt en entier. Je n'ai fait que ça, les amis. Et du coup, on va redécouvrir un peu le truc, ça va nous apprendre un petit peu à maîtriser le jeu. Et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je fais ce jeu? Eh ben, il m'a été tout d'abord offert par un abonné, il m'a été offert par Matkaz. Hop là, voilà, level complete. Et on va back to map, et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait suffisamment vite, apparemment. Donc on va recommencer, et voilà, level complete. Et là non plus j'ai pas été assez vite. What the fuck. Ah, j'ai dépassé 12 secondes, d'accord. Bah écoute, on va partir au niveau 2, Upward. Comment on faisait pour courir à ce jeu? Je ne me souviens plus. Ah voilà, j'ai trouvé. Excellentissime. Sauf que j'ai encore dépassé, c'est génial, merde. C'est un fail, et voilà, c'est réussi. Là, par contre, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais c'est pas grave. Écran bleu de Meat Boy. Et merde, il m'arrive quoi, les amis? Ah merde, je suis mort, c'est génial. Il me reste que 2 vies, je crois qu'à mon avis, je viens d'arriver dans les niveaux bonus. Ok, d'accord, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce niveau bonus, j'y arriverai pas très beaucoup. Ce que je dis est extrêmement français. Et voilà, nous venons de perdre le niveau bonus. Génial. Ah, mais j'y ai maintenant totalement accès. Bref, je sais plus trop où on en était, donc on va se rendre simplement ici. Hop là. Et bah, on n'a qu'à passer par ici. Allez, tu vas remonter, mon ami. Et hop là. Du coup, je me suis dit, on va faire cette vidéo détente de 15 minutes, bien évidemment. Vu que c'est une détente, donc on va pas trop faire ça trop long, n'est-ce pas? Surtout que Meat Boy, c'est très répétitif. Pour le moment, je fais des scores assez merdiques, c'est génial. Et voilà, je sais pas du tout ce que c'est ce portail, mais je m'en fiche, grade A+. Bon, pour le moment, comme vous le savez, au début, les niveaux sont assez faciles. Et voilà, grade A+. Si c'est pas génial... À la base, je comptais faire Crash Team Racing en détente comme ça, peinard. Mais... C'est moi, c'est le même niveau. Bref, next level. Mais comme mon ami Riveless, un youtubeur qui fait du vieux jeu, vient de lancer Crash Team Racing, je me suis dit, je vais lui laisser le truc. Et pourquoi là, je recommence, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas grave, hein, on va faire comme si on avait compris. Allez, next level. À mon avis, c'est parce que j'ai trop simple. Oh mon dieu, la figure de fou. J'ai même pas compris comment j'ai fait. 2 fois, ok. 3 fois, d'accord. 4 fois, ok. On va dire que c'est normal, hein, n'est-ce pas? Et c'est parti pour le next level. Voilà, ça n'a vraiment rien de dur celui-là. Évidemment, prendre les pansements, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça se fait que, encore une fois, j'ai perdu? C'est n'importe quoi. Ok. Et merde! Putain, j'y arriverai! Je crois que j'ai même pas réussi à l'avoir, ce pansement-là. Merde. Bon bah là, c'est un peu mort, hein.
comme vous l'aurez compris. Je n'aurai pas ce foutu pansement. On va quand même essayer d'avoir un pansement, histoire de d'en avoir un. Mais là, c'est un peu mort. Je crois que je vais faire que crever pour ce foutu pansement, mais c'est pas grave. Et merde, bon bah tant pis. Allez, on monte et on fait le A+. Allez, next levels. Ça, c'est vraiment extrêmement simple. Allez, tu vas réussir à monter, foutu Meat Boy. Et en tout cas, vous n'hésiterez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je continue ce jeu. Moi, je dis pourquoi pas. Là, j'en fais juste une petite vidéo détente. Je rappelle que ce jeu m'a été offert par un abonné. Donc c'est pour ça que je vous le fais comme ça, voilà. Allez, saute dans le feu, toi, parce que tu t'es foiré. D'accord, réflexion, tu vas y arriver un jour. Ne t'en fais pas, réflexion, tu y arriveras. Comme tout le monde. Mais si tu te foires déjà maintenant, je ne laisse même pas imaginer les niveaux d'après. Ici, je crois qu'il y a moyen de monter là-haut comme ça de façon assez badass. Mais je ne vais pas le tenter parce que je ne suis pas un pro comme je l'ai vu, hein, n'est-ce pas? Merde! Bon ben, je suis mort. Hop là. Et on va donc passer comme ça, bah, de façon tout à fait normale en fait. Et tu vois ce que c'est ce foutu portail? Ah, nostalgia. Ok, c'est des niveaux qui ont l'air un petit peu plus compliqués, mais qui sont faisables. Voilà, ça c'est fait. D'accord, ça nous explose. J'ai même pas compris comment j'ai fait pour découvrir ce niveau, mais c'est pas grave. On va faire comme si on comprenait. Là, je suppose qu'il faut faire un foutu backdoor. Bah non, ça ne fonctionne pas. Oh, j'ai pas compris comment j'ai fait. Oh non! Juste quand je comprends pas, quoi. C'est génial, ça. Ok. Ouais, d'accord. On va y arriver, les amis. On va y arriver. C'est obligatoire. Je ne comprends pas du tout comment j'ai fait, mais c'est pas grave. Il y a peut-être une explication logique à tout ça. En tout cas, pour le moment, ça me désintègre et moi, ça m'énerve. Faut peut-être simplement pas courir. Hein. Non, ça ne fonctionne pas. Là aussi, ça tue, c'est génial. D'accord. On va y arriver, les amis, on va y arriver. Ok, j'ai pas compris comment j'ai fait, mais c'est pas grave, j'ai réussi. T'es sérieux, là? You are serious, my friend? Hop, là, celui-là, il était easy. Et voilà, Meat Boy est revenu. Ah, c'est génial, ça m'a permis de unlocker un truc. Je crois que c'était là qu'il y en avait un autre, non? Ah ouais, ça m'a débloqué un nouveau personnage, regardez. Hop, maintenant je peux jouer celui-ci. Qui peut flotter. Non mais c'est génial ça comme perso, n'est-ce pas? Je peux flotter, mon ami. Bref, on va pas rester là de façon stupide, hein. Exit the game. Super Meat Boy. Merci, on va maintenant retourner par ici. Et j'en étais resté à quel niveau? De Forest. Absolument génial. Je sais plus trop où il était l'autre, on verra plus tard, n'est-ce pas? On va faire celui-là d'abord, et évidemment qu'on y va avec Meat Boy. Vous croyez quoi là, qu'on va faire ça avec n'importe quel perso? Non non, le jeu c'est Super Meat Boy. C'est pas Super Arc-en-Ciel qui sort des fesses. Oh bordel! Je vais y arriver, je vais y arriver. Mais. Je vous promets que je vais y arriver. Voilà. A+. Génial. Passons donc maintenant sur le next level. Voilà. Et maintenant, non, fais pas ça, Meat Boy, fais pas ça. On peut se faire du fric, ne te suicide pas.
Hop là, plus. Génial, maintenant nous trouvons ici un niveau un petit peu plus chiant à mon avis. Merde, ça m'a complètement décapité. À mon avis, il faut se servir de l'autre là en haut. Ouais, voilà. Hop là, easy to win. Et encore un gras plus. C'est génial. Ça par contre, c'est moins génial. Je suppose qu'il suffit de faire ça. Voilà. Encore une fois, c'est du easy to win. Enfin, c'est les premiers niveaux, vous allez me dire. Les premiers niveaux sont très faciles. Un petit lapin, petit lapin. Et hop là. Je monte quand même un petit peu de skill des fois. C'est rare, mais ça m'arrive. Bon, d'accord, je dis ça, et là, juste à ce moment-là, je me fais décapiter, vous savez. Non! Oh non, le fail! Oh non, ça, c'est le genre de fail qu'on ne peut pas accepter. C'est pas possible. Hop là, et hop là. Non, 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 non. Oh, ouf. C'est bon, c'est réussi. J'aurais peut-être vous laisser les replays, parce que c'est ça qui est épique, en fait, dans ce jeu. Plus que tout le reste, à vrai dire. Hop là. Hop là, et hop là, j'ai réussi à passer, c'est génial. Voilà. Ce niveau-là était plus facile que les autres. Les niveaux plus difficiles, vous savez, je les finis plus facilement, c'est tout à fait logique. Mais merde. D'accord, toi, décapite-moi comme ça, je te dirai absolument rien. Toi aussi, fais-toi plaisir. Voilà, j'ai le pansement. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Non ! Oh mon dieu, depuis que j'ai le pansement, là, ça me dégoûte. Voilà, de nouveau, j'ai le pansement, c'est génial. Oh non, 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 pas comme ça, non, non. Là, c'est des trucs que je n'accepte pas. Voilà, j'ai le pansement, j'ai pas trop compris comment j'ai fait, mais c'est pas grave. Non, 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 Meat Boy, non, fais pas ce genre de choses. Arrête de te suicider, Jean-Pierre, à deux on peut se faire du fric. Allez, allons-y. Ah, faudrait peut-être que j'arrête d'aller aussi vite, hein. J'essaye de rush le truc, mais dans ce genre de jeu, on a tout de suite envie de rush. C'est incroyable, hein. Et voilà. Évidemment, quand on rush pas, ça fonctionne mieux. Et là, faut être sûr de pouvoir passer. Génial. C'est bon, go vite, vite, Meat Boy, vite. Non ! Fallait pas te faire découper comme ça, mon ami. Ok, là, c'est un mauvais timing. Hop. Hop là, mauvais timing encore une fois. Ce jeu, c'est que du timing, de toute façon, à un moment, il faut quand même l'avouer. Voilà, quand on réussit le timing, ça fonctionne tout de suite mieux. Là, il suffisait de simplement pas rusher. Vite, Meat Boy, à deux, on peut se faire du fric. Là, on va attendre qu'il parte. Voilà, et maintenant, il suffit de courir, Meat Boy, vite. Allez, go, Meat Boy. C'est bon, tu l'as sauvé avec un A+, et un bandage gate. Et voilà, nous sommes donc arrivés au boss, et j'ai récupéré un bandage que je n'avais pas, c'est génial. Je vous laisse avec ces cinématiques incroyables du boss. N'aie pas peur, Meat Boy, on va le fuir. Ne t'inquiète pas. Mon dieu, c'est que je sais montrer du skill, moi, de temps en temps. En même temps, ce boss-là, je l'ai tellement try and die, c'est abusif. En plus, je me fais attraper par des trucs que je me faisais pas attraper avant, c'est génial. Ce jeu, c'est incroyable, hein. Incroyable. En tout cas, j'adore ce jeu, hein. Je remercie encore l'abonné qui me l'a offert. Il voulait que je fasse des vidéos dessus, ben voilà, c'est fait, les amis. Je lui ai offert ce qu'il voulait. Maintenant, j'ai win. Génial. Le boss est mort. Et sur ces 15 minutes de détente, je vous ai donc offert l'entièreté de The Forest avec des niveaux bonus que j'ai découverts, ce qui est absolument génial. Continue à rager, mon petit, c'est moi qui win.
La provoque, c'est génial. Ah, t'es deg, mon petit bonhomme rouge, c'est normal. Il vient de te niquer fortement. Oh, un petit écureuil mort, mais c'est triste. Des écureuils découpés? Ne, ce jeu est tellement violent et gore. Oh, tous ces pauvres petits écureuils, comme c'est mignon. Regarde, Meat Boy, il est triste. Oh, je vais pleurer. Je vous le laisse. Ah, c'est génial. C'est génial. Bref, les amis, c'était réflexion sur ce premier épisode de Réflexion détente sur Super Meat Boy. J'espère en tout cas que vous aurez aimé. Peut-être que je vous ferai la suite. Je remercie encore Matkaz de m'avoir offert ce jeu, ça fait juste 4 fois que je le dis, mais un grand merci parce que je m'éclate sur ce jeu, c'est génial. Même si j'ai pas beaucoup l'occasion d'y jouer, mais le peu que j'y joue, je me marre. Bref, c'était Réflexion dans ce Super Meat Boy. Ciao, bye bye.